Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle petite vidéo tutoriel. Donc si vous avez vu ma page Facebook, je vous avais montré en photo ces trois petites clés. Et donc là, je vais vous montrer comment les faire. Alors c'est très simple à fabriquer et ça a vraiment un super effet, ça donne un super rendu. Et on peut l'utiliser ensuite pour agrémenter plein de projets quoi. Donc je vais vous montrer les petites clés que j'ai déjà fait en détail. Donc là j'ai mis des petites billes à l'intérieur, des micro billes, des petits strass que j'ai ensuite doré avec la nouveau embellishment mousse. Et donc j'ai recouvert la clé aussi avec la mousse. Donc à la base ça c'est du papier, voilà, donc plusieurs épaisseurs hein, comme vous avez certainement déjà pu voir que certains projets que je fais de cette manière. Et des petits charmes en métal, donc là un papillon et ici une petite clé avec une petite perle que j'ai rajoutée. Donc voilà, ouais, ça fait vraiment un super rendu et c'est très costaud quand même hein, c'est assez rigide. Et donc ça derrière là c'est donc les stickers de chez Action, ce genre là voilà. Donc on peut s'en servir de tout modèle différent, ça c'est pas un problème. Donc c'est ce qui est derrière la clé. Donc voilà pour celle-ci. Ici c'est un peu le même principe, donc sauf que là j'ai ajouté une chaîne donc, pour mettre dans mon planeur. Donc vous voyez, ça peut même faire un petit bijou de planeur. Donc ici vous voyez, j'ai utilisé pareil les stickers. Donc ceux-là, j'ai juste changé la couleur de la pierre à l'intérieur. Et pareil, un petit charme et voilà. Donc là, les recto verso. Voilà. Et pareil, j'ai toujours mis la nouveau embellishment mousse là. C'est vraiment un super produit, j'aime beaucoup travailler avec. Et donc la troisième, j'avais essayé en chabi. Donc là, je voulais mettre en fait une de ceux-là, mais j'en ai pas en mode. Un mode paysage on va dire. J'avais que des portraits donc j'allais pas le mettre à l'envers hein, forcément. Donc là j'ai ajouté une petite fleur de lys qui est à la base argentée et donc j'ai utilisé la mousse bleue pour donc la coloriser. Et à l'extérieur j'ai mis du doré, donc on va peut-être pas le voir super bien sur c'est un petit peu là quand même. Voilà. Et donc là en final j'ai fait un mini checker, voilà. Donc vous verrez rien parce que c'est trop petit hein. Mais bon, c'est le but, c'était pas que ça bouge à l'intérieur hein, quand même, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais ça fait son petit effet quoi. C'est vraiment très sympa. Et donc ça c'est pareil, c'est assez ceux de chez AliExpress, ouais, des comme ça. Bon, j'en ai des modèles différents, donc il suffit de couper les pinces les attaches pour comme ici j'ai fait de chaque côté, il y en avait une là. Et donc le rendu est assez sympa ensuite quoi. C'est très facile à couper de toute manière. Voilà. Ou alors des comme ça. Donc on va donc commencer le petit tuto. Donc pour faire ça, vous aurez besoin donc de papier. Donc là moi j'ai découpé donc 6 fois, il me semble, ou 5 fois, non 6 fois, la même découpe. Ah oui, j'oublie le principal. Donc ça, ce sont des découpes qui viennent de ce dice de chez Action, donc la clé ici. Et en fait cette technique que je vais vous montrer, vous pouvez le faire absolument avec tout hein. Donc c'est vraiment super sympa pour faire ses propres embellissements en 3D ou ce que vous voulez. Donc on peut le faire avec des serrures, avec des étiquettes ou avec les papillons. C'est vraiment, c'est infini quoi. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez, avec n'importe quel dice, ce que vous avez besoin comme embellissement. Moi, de ces clés que j'ai fait là, il y en a deux déjà que j'ai prévu d'utiliser donc sur deux projets différents. Donc une, ça va être sur un prochain tutoriel d'un tas que je vais faire. Et la seconde, ça sera sur une couverture de livre. Voilà. Donc c'est pareil, c'est ça, des choses que vous verrez. Bon, le livre, ça sera un peu plus tard parce que là, j'attends du matériel. Enfin, je dois commander du matériel plutôt. Donc sur AliExpress et donc ça va mettre forcément un petit peu de temps, mais c'est un projet que j'avais prévu déjà depuis un moment de vous montrer. Donc voilà, alors on va passer au tuto. Donc comme je disais, donc vous avez besoin de 6 fois la même découpe. Vous pouvez le faire dans du carton hein, un peu dans ce style là aussi, comme ça, pas trop épais.
Voilà, ça marche bien, donc on a peut-être besoin de 2 ou 3. Mais après, je vous conseillerais pas de le faire entièrement en carton, peut-être juste un côté ou l'arrière. Parce que bon, c'est pas non plus si costaud que ça le carton, il suffit, comment il est fabriqué. Il se plie facilement quoi. Donc là j'ai du papier 260 grammes. Donc ça fait déjà quelque chose d'assez rigide par rapport aux clés quoi. Comme ça. Donc on peut déjà bien les manipuler. Ça va pas se tourner, rien quoi. Donc voilà, donc on va déjà commencer par les coller. Donc moi je vais me servir de mon petit stylo colle. Je peux tout simplement le repositionner aussi. C'est de la colle repositionnable. Donc quand on fait des petites choses comme ça, il vous faut de la précision. C'est mieux d'utiliser ce genre de colle. Si vous voulez rattraper un collage qui s'est pas bien passé. Voilà. Donc là encore, là, que bien. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que toutes les parties sont collées. Donc voyez, c'est bien bien épais. Donc maintenant on va commencer à peindre un peu la clé, enfin lui donner un peu un aspect vieilli. Donc, parce que je vais en faire aussi une clé vintage. Après bien sûr vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, hein, le papier coussin par exemple. Ouais, papier décoratif, ce que vous voulez, hein, c'est votre choix, votre style. Donc je vais mettre un peu de mousse. Voilà donc ce qu'on a, donc c'est vraiment un super effet métal. Voilà. Donc là c'est fait. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie du collage, donc sur les petits camions en métal là. Donc, j'avais pas pris pour tourner le truc, comme ça. Ah, mais là. Donc je vais me servir de celui-là. Ouais, donc c'est après le même genre, c'est pareil, il vient d'action celui-là aussi. Donc là moi je prends cette colle là pour coller le papier sur le métal là, parce que ça va mieux je trouve que le pistolet à colle. Je vais mettre la colle. Donc on peut en mettre hein, parce que bon ça sèche transparent de toute manière, donc ça ne se verra pas à la fin. Ah oui, j'avais oublié, il faut vous aider de petites pinces comme ça. Voilà, pour bien tenir pendant quelques minutes. Bon, cette colle, ça va, elle fond assez rapidement. Donc on garde bien qu'on est bien positionné au milieu. C'est comme ça un petit moment. On va passer à choisir donc la déco donc. Thank you.
voilà, la clé est terminée. Je vous la montre un peu de plus près. Voilà, donc vous voyez l'effet que ça peut donner. C'est vraiment un super embellissement avec très peu de matériel et puis surtout c'est vraiment pas cher quoi. Voilà l'idée avec des dies et des découpes. Je voulais m'excuser d'avance, il y a une petite partie où le son a été coupé. J'ai mis de la musique, j'expliquais comment ce que j'allais faire comme décoration et comment je faisais. Mais bon, vous verrez en image, vous comprendrez quand même quoi. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!